pouvoir déplacer notre snake dans les quatre directions, on peut procéder de différentes manières. J'en ai énuméré ici 4, mais il en existe sûrement plein d'autres. Dans les 4 cas, on va simplifier la chose en se basant sur un morceau de notre grille et d'une configuration de nos snakes composée de 4 quads, donc N0, N1, N2, N3, ayant comme coordonnées respectives les coordonnées suivantes 3, 5, 2, 5, 1, 5, 0, 5. N0 étant l'avant de notre snake et N3 étant l'arrière de notre snake. On va supposer qu'on ne change pas de direction et que notre snake aille sur le côté droit. Alors pour accéder à chaque quad, on va créer deux containers. Un container composé de shape, donc la classe contenant les informations de vertices, et un autre container composé des informations suivantes. La position, donc X, Y, ainsi qu'un index associé à la shape correspondant. Alors, le contenu de chaque container sera fait de la manière suivante. Donc, notre première container, donc celle avec contenant les vertices, donc ce sera un tableau de 4 shapes. Donc, la shape 0 sera donc N0, la shape 1, N1, la shape 2, N2 et la shape 3, N3. Concernant notre deuxième container, donc celle avec les positions, voici la configuration suivante. Commençons par la méthode brute. Cette méthode va consister par le fait de parcourir les cases de l'avant à l'arrière et déplacer tous les éléments vers la position suivante. Par conséquent, on va commencer par déplacer la case 0, puis la case 1, la case 2 et enfin la case 3. La case numéro 0 prendra la position 4, vu qu'on se déplace vers la droite. La case 1 prendra la position de la case 0, la case 2 celle de la case 1, et enfin la case 3 celle de la case 2. Pour déplacer chaque shape, on aura juste à appeler la fonction move et lui passer les différences de position. On peut répéter ce processus à chaque fois que l'on veut déplacer notre snake. Passons à la deuxième méthode, celle utilisant une liste chaînée. Ici, on va être plus astucieux que la première méthode. Au lieu de déplacer l'entièreté des cases de notre snake, on va uniquement en déplacer un. La case que l'on va déplacer ici sera la case arrière de notre snake. On aura besoin de lier les cases par des pointeurs de l'arrière à l'avant, permettant de connaître l'élément suivant, la case avant pointera quant à elle celle de derrière. On aura besoin également d'avoir un pointeur vers la case à l'avant de notre snake. Pour déplacer notre dernière case, on va tout simplement récupérer la position de la case avant et lui ajouter notre delta permettant de connaître la nouvelle position. Pour accéder à cette case, on pourra le faire grâce à la case pointant par la case avant. Une fois qu'on aura effectué le move, on n'oubliera pas de set notre pointeur de la case avant à notre nouvelle case. Comme pour la méthode brute, on peut répéter ce processus à chaque fois que l'on souhaite déplacer notre snake. Alors on ne va pas s'intéresser à la troisième méthode, car tout simplement la troisième méthode est similaire à la deuxième méthode, mais à la place d'utiliser des pointeurs, elle utilise des index. Cette méthode est la méthode que l'on va implémenter juste après. Alors comme pour les méthodes 2 et 3, cette méthode va consister à prendre la dernière case de notre snake et à la mettre à l'avant de notre snake. La méthode va consister de la manière suivante. Au lieu de stocker les éléments suivants, on va garder en mémoire l'emplacement de la première case et de la dernière case avec deux index, first index et last index. On aura besoin également d'ajouter une case supplémentaire à notre tableau pour pouvoir décaler nos cases le long de notre arrêt. Cette dernière case, comme vous le verrez par la suite, n'est pas obligatoire, mais pour une question de compréhension, j'ai préféré la rajouter. Le décalement se fera de la manière suivante. On commence par récupérer les positions de la première et de la dernière case de notre snake, ainsi que l'index de la shape de la dernière case correspondant, vu que chaque case est associée à une shape. Une fois cela fait,
on peut calculer la nouvelle position à partir d'un delta et des infos de la première case, qu'on aura précédemment récupérées. On reset les informations de la dernière case avec des valeurs par défaut. On réduit ensuite de 1 first index et last index en faisant attention que nos nouveaux index ne sont pas inférieurs à 0. Si tel est le cas, on loupe sur la fin de notre array. On move notre shape vers la nouvelle position en calculant la différence entre l'ancienne position et la nouvelle. Et enfin, on n'oublie pas de set les informations de position et d'index de shape de notre première case vers les valeurs calculées précédemment. On peut répéter ce processus à chaque fois que l'on souhaite déplacer notre snake. Alors du coup maintenant, on va rajouter de nouvelles cases au snake. Alors j'implémente un peu les choses, donc je définis les choses, comment ça va fonctionner, et je vous explique juste après. Alors du coup, donc j'ai un peu fini d'implémenter du coup une première version donc d'un snake qui va se déplacer avec une configuration de départ. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, donc on peut le déplacer dans les directions. Donc actuellement on peut même le déplacer dans l'autre sens, mais c'est peut-être pas ce qu'on veut nous dans tous les cas, mais pour le moment c'est pas forcément la priorité. Donc alors voilà comment j'ai fonctionné. Donc de toute façon je vous expliquerai un peu mieux avec des schémas juste avant, mais du coup rapidement comment j'ai implémenté cela en code. Donc en fait, en gros, j'ai un array qui va contenir différentes shapes. Donc là actuellement on a 4 shapes qui vont démarrer de droite vers la gauche. Donc je les définis dans une loop comme ceci. Je crée ma shape et je lui j'ai également, donc je lui assigne une position et avec un offset en fonction de l'index du coup. Et j'ai également créé un autre array, donc comme je l'expliquais juste avant, donc qui va contenir en fait du coup les cases qui vont se décaler à la suite. Donc je les ai initialisées ici avec une position donc de notre shape de départ, et là du coup ça va contenir une case en plus, donc qui va permettre de pouvoir avoir ce décalement qu'on va faire juste après. Donc je les initialise par défaut avec des valeurs par défaut. Donc si vous voulez, j'ai fait une petite struct donc snake case avec juste ces trois variables. Et ce qu'on va faire du coup, on aura first index qui va correspondre à la tête de notre snake, et last index qui va correspondre à la fin de notre snake. Donc si on va un peu plus loin du coup, quand on va décaler du coup notre snake dans n'importe quelle direction, je vais commencer par sauvegarder les infos du premier index et du dernier index, ainsi que la shape, l'index de la shape qui correspond. Donc admettons que là on est à la première étape, le last index c'est snake size -1, donc c'est l'index numéro 3 dans notre array. Donc l'array c'est snake case, c'est celui-là. Et si on descend un peu en bas, voilà, hop, ici ce rect index va correspondre également à 3. Donc c'est normal, comme on est en configuration de départ, il n'y a pas de décalement. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va reset notre index vu qu'on n'en aura plus besoin. Et puisqu'on va le déplacer en tête de notre snake. Ensuite on va juste réduire donc first index, last index, donc ça va se décaler pour du coup avoir ce décalement. Ensuite on va compute donc un delta, donc ça on l'a déjà fait, donc je l'ai juste un peu modifié donc comme ceci. Hop, delta y, delta x, delta x, delta y, tout simplement. Et en fait ce qu'on va faire du coup, hop, on va calculer une nouvelle position avec donc
avec la position de départ de notre tête, de notre snake. Et on va du coup calculer une nouvelle position avec le delta. Et tout simplement, ensuite on va déplacer du coup le dernier élément, donc la dernière case, vers la nouvelle position pour pouvoir devenir la première case du coup. Et juste après, on va terminer par du coup définir du coup notre première case avec les nouvelles informations qu'on aura calculées précédemment. Donc c'est assez simple. Dans tous les cas, je pense que c'était un peu flou, mais je vous expliquerai de toute façon juste avant avec des schémas et tout pour que vous compreniez un peu mieux. Donc on peut passer à la suite et rajouter du coup un objet, donc un collectible qui va permettre de pouvoir agrandir notre snake et définir une nouvelle taille à ce snake du coup.